Au total, 47 enfants de troupe, dont 14 filles et 33 garçons, composant la promotion 2021 du Prytanée militaire, ont vu leur statut changer avec le port d'insigne. D'animaux de brousse hier à enfants de troupe aujourd'hui, une première étape importante pour ces futurs soldats au service de la nation gabonaise. Une cérémonie qui marque la fin du temps d'imprégnation d'un état d'esprit qui leur a été imposé dès leur arrivée au sein de l'école, adossé essentiellement sur le goût de l'effort, la capacité d'adaptation aux principes de la vie en communauté, le sens de la discipline, l'amour du pays et du continent africain, la culture de l'excellence, la passion pour le métier des armes. Occasion pour ces enfants de troupe de recevoir des mains de leurs anciens l'insigne du Prytanée militaire de Libreville. Un insigne de forme centrique qui symbolise l'ensemble des valeurs de la République. C'est donc pendant 3 mois de marche dans la brousse que cette promotion composée de jeunes issus du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de la République centrafricaine a obtenu son nouveau statut sous le regard du général des divisions Dieudonné Pongui, par ailleurs secrétaire général par intérim du ministère de la Défense nationale représentant le ministre.